France et dans le monde, les rédactions des radios locales, les envoyés spéciaux permanents et la rédaction de France Inter sont en liaison constante avec l'équipe info du matin. Allez l'info. Ah, le joli film prévu demain soir sur la 3, Angèle. Un film en noir et blanc de Marcel Pagnol, réalisé en 1934. Avec Fernandel, Orane de Mazis, Henri Poupon, Delmont, Andrex, Jean Servais dans les rôles principaux. Angèle, 20h35, à voir, à revoir, à revoir, à revoir. Ensuite, Soir 3 sera présenté à 22h55 par Jacqueline Alexandre. Et puis, à 23h20, départ pour le Festival de Cannes avec Star Vision, vous retrouverez Henri Chapier, Jacques Pessy et Paul Vernus. 23h25 sera l'heure du magazine Montagne. Et à 00h05, vous retrouverez Star Vision avec le souper des stars, tout comme si vous y étiez, depuis la salle du célèbre restaurant Les Ambassadeurs. Je vous souhaite une excellente nuit. Elle va être courte, mais dormez bien. À demain.
correcteurs sur la qualité cette semaine, trois nouvelles. Tout d'abord, vous avez pu le constater, sur Europe 1, nous avons repris notre collaboration avec cette station dans le cadre d'une émission toujours animée par Jean-Pierre Elkabbach avec l'utilisation de ce numéro de téléphone magique UEP 2222. La deuxième nouvelle concerne le tennis et notre collaboration avec le monde du tennis et plus particulièrement avec les clubs. Alors, Mademoiselle Chor, vous allez en parler plus précisément. Effectivement, nous avons conclu un accord de partenariat avec la Fédération française de tennis. C'est un accord important puisqu'il y a 9000 clubs de tennis qui sont concernés et 1 400 000 joueurs de tennis qui sont frais. Donc c'est quand même un marché important sur lequel nous pouvons agir. Et dans ce cadre, eh bien, nous allons décliner tout un maximum de possibilités à partir de cet accord de partenariat. D'abord, nous allons donner des possibilités de couverture des clubs et même de tennis avec un nouveau contrat qui s'appelle la multi-risque club de tennis et qui va permettre de couvrir les clubs pour toutes leurs garanties de dommages, incendies, responsabilités civiles et même des garanties plus pour les annulations de tournois en cas de mauvais temps. Il va y avoir des garanties complémentaires à tous les jours. Pas tout à fait, mais je vous laisse découvrir en lisant le contrat qui est le maximum de possibilités de couverture. Alors, il y a cet aspect d'avoir un contrat dans le multi-risque et un deuxième aspect des garanties individuelles proposées aux joueurs. Vous savez que dans le cadre de la nouvelle législation, eh bien, les clubs doivent proposer à leurs licenciés des garanties complémentaires. Eh bien, nous allons mettre toute une structure en place qui va permettre de satisfaire cette obligation légale et nous allons proposer 6 options de garantie. Donc voilà le cadre. Pour relayer ce que nous faisons déjà par rapport aux licenciés, il y aura des garanties complémentaires données pour les clubs d'une part et pour les licenciés d'autre part. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons aussi entouré cette action de support assez nouveau pour tous les supporters et tous les départements finalement de l'UEP ont collaboré à cette mise en place. Alors, il y a d'abord quelque chose de moins original, puisque vous en avez déjà l'habitude, c'est un tract d'adresse, en fait, qui reprend les grandes garanties sur lesquelles l'UEP va intervenir, aussi bien pour les garanties des clubs de tennis que pour les garanties des licenciés. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ce tract qui est quelque chose d'assez traditionnel, on entreprend une action beaucoup plus originale auprès des clubs directement. C'est-à-dire que nous préparons votre action, votre visite au club de tennis par un élève qui va partir autour du dîner et qui va avertir les clubs d'entretien de notre action pour le monde du tennis. Alors ce mélène comprendra un résumé des garanties aussi bien pour les clubs que pour les licenciés et d'autre part, une affiche qui pourra être installée sur les clubs, dans les clubs là où les licenciés se promènent après la partie de tennis. Et ce document répond finalement à l'obligation des clubs de tennis de donner une information sur les garanties complémentaires qui doivent être données aux licenciés pour des garanties individuelles. Alors cet accompagnement commercial, cette démarche, a mis en œuvre l'énergie de tous les départements de l'UEP, aussi bien techniques, commerciaux que restes spéciaux. Et l'on pense finalement qu'avec ce support qui prépare notre visite, nous allons réaliser quand même un certain nombre de contrats. Alors une petite précision, il y a cette année, puisque nous commençons notre action pour les garanties individuelles, et bien un tarif réduit de 50%, puisque toute l'année ne sera pas courue. Alors, c'est vrai que ça illustre parfaitement notre slogan, l'UEP a le tempérament sportif, mais l'UEP a aussi le tempérament du salon. Répondre à un salon, il y en a un qui nous a été proposé récemment par la lettre de l'assurance, que certains connaissent peut-être, c'est une revue qui est dirigée par M. Bergel. Et cette lettre de l'assurance nous a proposé de participer à la désignation du meilleur produit d'assurance vie référencé sur une cita. Alors il ne s'agissait pas de préciser quel était le montant des frais de ce produit, sur quelle référence fonctionnait ce produit, quels étaient éventuellement les droits de sortie appliqués sur ce produit. Non, c'était tout simple. La question qui nous était posée était la suivante. Le 1er janvier 1980, un client verse 50 000 francs. Le 31 décembre 1986, soit 6 ans plus tard, ce client récupère son capital auprès de l'UEP. Eh bien, combien l'UEP lui verse-t-il? Eh bien, nous avons choisi, bien entendu, pour cette période, le produit de l'UEP qui donnait le meilleur résultat, il s'agit d'Actavis.
et le résultat est de 162 024 francs, c'est-à-dire que le client verse 50 000 francs le 1er janvier 1981 et récupère le 31 janvier 1986 162 000 francs, 024 francs très précisément. Soit plus franchement, la somme versée initialement hors taxe et aux taxes comprises également plus de 3 fois. Alors, ce résultat nous a valu, bien entendu, d'être cité comme étant un des 3 meilleurs produits présentés sur le marché à l'heure actuelle par la lettre de l'assurance. Bien entendu, nous ne serons pas plus précisément de ces résultats. Nous proposerons un courrier vous présentant ce résultat très prochainement. Nous aurons l'occasion également, dans un prochain projecteur sur l'actualité, de revenir sur les résultats obtenus par certains de nos produits voisins, notamment le bon épargne prévoyance, Obligis, et bien également le triplé commercialisé par les réseaux S et BS. Nous allons donc avec M. Bayon aujourd'hui aborder un vaste sujet, le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors M. Bayon, on peut envisager d'aborder le problème par plusieurs endroits, plusieurs niveaux. Est-ce que vous pouvez tout de suite essayer de dégager les grandes règles qui déterminent ou qui ont déterminé les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques? Il n'existe malheureusement pas, en droit fiscal français, une définition claire et exhaustive de la notion de revenu. Le Code général des impôts se contente de définir le revenu par catégorie. Par exemple, il a déterminé très précisément les règles de calcul du revenu perçu en bénéfice mensuel commercial, en bénéfice non commercial, en bénéfice agricole, en revenu foncier, en revenu immobilier, en traitement et salaire ou encore pour les rémunérations des réseaux de société. Mais de cette définition, donc exhaustive, mais ponctuelle pour chaque catégorie de revenus, on peut tirer tout de même quatre caractères généraux du revenu en droit fiscal français. La première caractéristique, c'est que le revenu est un revenu global. C'est-à-dire que tout revenu égal perçu par un contribuable français sera a priori imposable. Il existe naturellement à ce principe déjà subscription dans les deux principales. La première découlera de l'application des conventions fiscales internationales, puisque si par exemple vous disposez d'un revenu foncier en Belgique, ce revenu sera imposable en Belgique. Donc pour éviter qu'il y ait un mécanisme de double imposition, ce revenu ne sera pas imposable en France. Et la deuxième exception, l'inversement naturellement. La deuxième exception proviendra de décisions expresses du cabinet général des impôts d'exonérer certains types de revenus. Et pour nous, la plus intéressante exception est par exemple l'exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de bons de capitalisation perçus après plus de 6 années de détention dans l'hypothèse naturellement d'une non-option pour l'anonymat. D'accord, donc ça c'est la première caractéristique, la globalité du revenu. Alors la deuxième caractéristique du revenu imposable est qu'il est toujours un revenu net. Ça signifie que le contribuable pourra toujours déduire de son revenu brut les dépenses effectuées pour l'acquisition ou la préservation de son revenu. Si je prends l'hypothèse de salarié qui n'aurait pas opté par exemple pour la déduction forfaitaire de 10% pour frais, ils pourront toujours déduire de leur traitement imposable les frais encourus pour acquérir ce traitement. Et par exemple les frais de transport qu'ils auront donc à avancer pour se rendre à leur domicile à leur lieu de travail. Ça c'est donc la deuxième caractéristique du revenu imposable en droit français. La troisième caractéristique est d'être un revenu annuel. Ça signifie qu'au mois de février dernier, vous avez dû déclarer vos revenus perçus du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986. Il existe cependant une exception à cette règle pour les industriels ou commerciaux qui arrêteraient un exercice au cours d'une année civile. Par exemple, un commerçant qui arrêterait ses comptes le 30 septembre serait imposé au titre du BIC pour 1986 selon les revenus perçus donc du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986. Et la quatrième caractéristique donc, du revenu imposable est d'être un revenu disponible. Et l'administration fiscale considérera qu'un revenu est disponible dès lors qu'il ne dépend plus que de la volonté du contribuable de percevoir ce revenu. Et pour un petit peu donner un exemple également à cette proposition, il suffira de penser à un industriel qui laisse en compte courant de l'argent à la disposition de son entreprise pour conforter la trésorerie de cette entreprise. Et bien,
cette portion sera considérée comme étant un revenu pour le traditionnel, puisqu'il ne dépend que de lui de retirer l'argent en question. Donc ça, c'est les quatre règles principales qu'il convient de retenir. Alors maintenant, si on essaie de rentrer un peu plus dans le concret, comment va-t-on passer de ce revenu en quelque sorte au revenu imposable? Alors, pour déterminer le revenu imposable, il convient d'effectuer toute une série d'opérations. On partira tout d'abord des revenus donc catégoriels qui sont définis en application des règles propres à chaque type de revenu. Des revenus fixés, des revenus mobiliers ou les traitements éphémères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus mobiliers ont tendance, ils vont avoir tendance avec le nombre d'actionnaires qui accèdent à la bourse, vont avoir tendance à se développer. Les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui seront forcément très suivis. Mais naturellement, dans le cas d'une émission nécessairement courte, il n'est pas possible d'être exhaustif et de donner toutes les règles de calcul spécifiques à chaque type de revenu. Donc, pour le calcul du revenu imposable, on va additionner les différents revenus catégoriels et éventuellement, si l'un de cette catégorie de revenus dégage un déficit, il conviendra d'imputer ce déficit sur les autres revenus catégoriels. Il existe cependant deux exceptions à cette possibilité d'imputation d'un éventuel déficit. C'est les déficits fonciers ne peuvent pas être imputés, ils ne pourront être imputés que sur les revenus fonciers des 5 années suivantes. De même, les revenus agricoles, pour autant que le contribuable aura perçu plus de 40 000 francs de revenus non agricoles, ne pourront pas être imputés sur le revenu global. Alors pour donner un exemple, il suffira de penser à la situation d'un commerçant dont l'activité en bénéfice additionnel et commercial dégage un déficit pour l'année 86 de 150 000 francs, qui par ailleurs aura perçu un revenu immobilier s'élevant à 100 000 francs. Le cumul donc, de ces deux revenus dégagera en chaque un déficit global de 50 000 francs. Ce déficit, le contribuable en question pourra l'imputer sur les produits et les revenus des 5 années suivantes. Donc ça, c'est le passage en quelque sorte du revenu réel au revenu imposable. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on fait du revenu imposable? Alors c'est là, on vient de terminer donc le revenu brut global. Quand on passera ensuite au revenu net global, en déduisant donc du revenu brut global, certaines dépenses qui sont acceptées par le cadre général des impôts sous forme de déduction du revenu imposable. Ces déductions sont autorisées si elles respectent quatre conditions. La première condition est d'avoir été expressément prévue par le code général des impôts. Il s'agira par exemple des pensions versées à des ascendants, à des descendants, ou encore des pensions versées à l'ex-conjoint dans l'hypothèse d'indigence. Ou, par exemple, les dons effectués à certaines choses, qui sont donc considérés en accord avec le code général des impôts comme déductibles du revenu global. La deuxième condition de cette déductibilité est que ces dépenses n'aient pas déjà été prises en compte pour le calcul des revenus catégoriels. Un exemple est nécessaire pour mieux faire comprendre ce point, c'est donc l'hypothèse d'un entrepreneur qui s'est porté caution de son entreprise et dont on appelle la caution. Il devra donc verser des sommes authentiques et ces sommes auront déjà été déductibles pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux qu'il aura passés. Donc il ne pourra pas déduire à nouveau une deuxième fois ces sommes de son revenu global imposable. La troisième condition est que ces dépenses aient bien été effectuées au cours de l'exercice considéré. Par exemple, si le 15 janvier dernier, vous aviez donné 1000 francs à l'Institut Pasteur, vous ne pourriez pas déduire ces 1000 francs, pour, malgré que ce soit bien un don à des œuvres, de vos revenus de l'année 86, puisque ce don aura été effectué au cours de l'année 87. Et quatrième condition, il faut pouvoir apporter la preuve de la réalité de cette forme, et pour donner l'exemple du don aux choses, il faudra joindre à votre déclaration d'impôt le reçu de l'Institut Pasteur, selon lequel vous avez bien versé à cet institut une somme de 1000 francs. Pour l'alimentaire, ce n'est pas le cas. Pour les personnes alimentaires, ce n'est pas le cas. Alors, ça c'est donc juste en genre d'arriver au traitement du revenu. Imposable, en revanche, je crois qu'il y a des mots que l'on connaît, le taux d'imposition, le quotient familial, le lettré.
souffrance, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le traitement finalement de Serge? Malheureusement, la GPP n'est pas suffisante, mais il y a une dernière étape qui conseille de ne pas sauter, c'est pas. C'est un véritable feu de piste qui a stoppé le feu. Donc il convient, lorsqu'on a défini, comme nous venons de le faire rapidement, le revenu net global, de déduire de ce revenu net global certaines formes spécifiques prévues par le code général des impôts. Et en particulier, il existera un abattement pour les contribuables âgés de plus de 65 ans ou encore invalides, qui percevant moins de 48 000 francs d'impôts, pourront profiter d'un abattement de 7 540 francs. Naturellement, je ne peux pas prétendre à l'exhaustivité, il existe toute une série d'abattements de ce type-là, mais c'était simplement un titre d'exemple. Alors on arrive au traitement au chat. Nous, en tous les cas, on a nécessité, lorsque l'on veut aider quelqu'un à calculer en quelque sorte le montant de son impôt, la nécessité de bien connaître l'ensemble des revenus de cette personne et puis aussi l'ensemble des déductions que l'on peut opérer avant de pouvoir arriver au traitement des revenus imposables. On ne pourrait pas être, prétendre calculer donc ce revenu en se limitant au seul, par exemple, traitement et salaire, qui sont l'essentiel des revenus de la plupart de nos concitoyens. Il est absolument nécessaire de connaître les autres types de revenus dont ces personnes peuvent disposer, soit de revenus immobiliers, soit de revenus fonciers, ou encore d'exploitation commerciale ou non commerciale. Enfin, quand même que nos auditeurs sont un peu rompus à ces techniques, dans la mesure où l'assurance vie, avant une période récente, nécessitait finalement pour calculer la déduction, la déductibilité fiscale, la nécessité de connaître le taux marginal d'imposition. Je crois que nous anticipons un peu sur ce traitement auquel nous allons pas passer. Donc à partir du moment où nous avons défini le revenu imposable, selon les dispositions que nous venons d'exposer, ce revenu imposable sera divisé par le nombre de parts pour obtenir le quotient familial. Ce nombre de parts est déterminé selon la situation familiale des contribuables et selon le tableau que vous avez donc sous les yeux. Vous apercevez par exemple qu'un couple marié avec 3 enfants aura le droit à 4 parts. Ce mécanisme de quotient familial a pour objectif de permettre de bien approprier donc la contribution fiscale qui sera demandée à un contribuable à cette possible capacité contributive. Car il est évident qu'un célibataire percevant par exemple un revenu de 200 000 francs se trouverait dans une situation beaucoup plus privilégiée qu'un couple marié avec 4 enfants se trouve percevant également un revenu de 200 000 francs. Donc, la conséquence de l'application de ce quotient familial sera qu'un couple marié, pour conserver le même exemple avec 3 enfants, à phase, donc disposant sur le tableau que vous avez vu de 4 parts pour son calcul du quotient familial, et percevant un revenu, disons, de 200 000 francs, payera le même impôt que la somme de 4 célibataires percevant 50 000 francs de revenus imposables. Donc, après avoir donc divisé ce revenu par le nombre de parts et déterminé ainsi le quotient familial, on appliquera à ce quotient familial le tableau d'imposition à l'impôt de revenu, le tableau donc que vous avez sous les yeux. Ce tableau, vous pouvez observer qu'il comprend 13 tranches d'imposition dont le taux augmente progressivement à l'importance des revenus du contribuable pour atteindre le taux maximum de 53%. Il est intéressant de changer que ce taux maximum de l'imposition, qui avait atteint 71,2% en 1982-1983, décroît régulièrement depuis cette période et donc n'atteint plus aujourd'hui que 58% et devrait même tendre encore à baisser dans les prochaines années. Mais l'importance de la lecture de ce tableau est surtout de connaître le taux marginal d'imposition du contribuable. Ce taux marginal est simplement le taux d'imposition le plus élevé atteint par ce contribuable. Et dans l'hypothèse du tableau que vous avez sous les yeux, pour un contribuable, par exemple, avec une seule part, puisque ce tableau présente la position sur une seule part, qui disposerait d'un revenu imposable de 67 000 francs, le taux marginal d'imposition atteint est de 35%. Et ce taux est très important à connaître dans notre activité de conseil. Puisque dans l'hypothèse où ce contribuable disposerait de produits de grande capitalisation, par exemple, qui ont une ancienneté de 3 années, qu'il souhaiterait tout faire lors de ce produit, par hypothèse de 1000 francs, il aura, nous l'avons déjà indiqué, l'option entre deux possibilités. Soit imposer les produits selon le droit commun de l'impôt sur le revenu, et donc de 35%, ce qui signifie que sur les 1000 francs de revenus supplémentaires qu'il percevrait de chaque produit, il devrait en reverser 350 francs à l'État.
soit la deuxième grande alternative qui est offerte donc à ceux qui demandent, opter par le prélèvement libératoire, qui sur des bons papiers pour avec les états de revenus, c'est 9,26%. Donc on observe qu'il a tout intérêt dans ce cas de figure à opter pour le prélèvement libératoire, puisqu'il nous verserait sur des 1000 fois supplémentaires de revenus, peut-être nous verserions pour son compte seulement 260 francs. Donc pendant les deux premières années de la vie du bon tel ou chef référence, notre client plutôt intérêt, s'il procède à un refus, de déclarer les sommes qu'il a perçues sur sa feuille d'impôt, ça payait 35% d'impôt au lieu de, des 45% de prélèvement libératoire. C'est bien ça, tout à fait. Alors, une petite question quand même, ou plutôt une précision, parfois dans l'esprit de certaines personnes, on dit 35% ou 40% de taux, et on a tendance à calculer 40% de 60 000 francs de la totalité du revenu imposable. Je crois qu'il faut peut-être bien recadrer les fonds. Tout à fait. Je préfère ne pas confondre le taux moyen d'imposition et le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition est simplement le taux de prélèvement obligatoire, de prélèvement fiscal, qui sera effectué sur les derniers 1 000 francs de revenus. Donc dans l'hypothèse du contribuable que j'ai dit tout à l'heure qui a revenu de 65 000 francs, nous avons vu d'après le tableau que s'il percevait donc 1 000 francs de plus, quelle que soit la source de ce revenu, de revenu imposable, il devrait verser 350 francs l'État. Donc ça signifie bien qu'il a un revenu, un taux marginal d'imposition de 37%. Par contre, son taux moyen d'imposition, lui, sera toujours beaucoup plus faible. Et là, on peut essayer de faire le calcul, il pourrait être de 10 ou 15% seulement. Ok. Alors, je crois que sur l'aspect ou le plan théorique, vous avez développé comment ça se passait. Je crois que le mieux, quand même, c'est peut-être de l'illustrer tout ça d'un exemple. Il faut que vous en ayez préparé un derrière. Il s'agit d'un couple marié avec deux enfants. Donc, on observe que d'après le tableau que nous avons vu tout à l'heure, ce couple profitera de 3 parts. Son revenu est par hypothèse, un salaire s'élevant à 125 000 francs. Il perçoit également des revenus fonciers à hauteur de 20 000 francs et des revenus immobiliers à hauteur de 3 000 francs. Ces 3 000 francs étant effectués après abattement, mais y compris l'avoir fiscal, puisqu'on supposera qu'ils sont parfois des actions. On est comme ça réductible, ce couple bénéficie simplement d'une pension alimentaire qu'elle fasse par exemple à ses ascendants de 6 000 francs. Enfin, il dispose de fonds ouvrant droit à une réduction d'impôt au titre d'un intérêt d'emprunt qui a été souscrit pour l'acquisition de leur habitation principale en 1983, des emprunts versés pendant l'année 86, s'élevant à 13 500 francs. Le revenu global imposable, c'est peut-être calculé comme le nom de l'expliquer en additionnant les revenus salariaux. Nous avons vu que les revenus salariaux ont s'élevé à 120 000 francs. On savait que ces revenus bénéficient de deux abattements. Le premier de 10% pour frais réels et deuxième abattement de 20%. Donc, le revenu s'élèvera à plus de 120 000 francs. Moins 10%, moins 20%, c'est de plus de 90 000 francs. C'est donc le revenu des salaires qui sera imposable. Le revenu foncier s'élève toujours à 20 000 francs, le revenu immobilier à 3 000 francs. Nous avons vu que nous pouvons déduire les charges de pension, donc on soustrait 6 000 francs. On arrive donc à un revenu imposable de 107 000 francs. En application du quotient familial, on observe que le quotient familial, c'est simplement la division de 207 000 francs par 3 et on arrive à 37 666 francs. Par an, 3 sur les parts, une part pour chaque adulte, et une demi-part par enfant, avant le troisième enfant qui avait ouvert droit à une part entière. Donc ici, nous avons deux parts du chef des études, deux demi-parts du chef des deux enfants, et par conséquent, trois parts. En application d'un tableau que vous verrez également à l'écran, on peut calculer très directement et plus simplement, déjà que je vous l'exposais tout à l'heure sur le plan théorique, l'impôt brut qui est dû. Simplement, en regardant sur ce tableau, que le montant du quotient familial s'élève à 35 666 francs. Et la licence fiscale a mis au point des formules pour calculer donc directement l'impôt brut dû au titre de ce montant de quotient familial. Voici donc la formule proposée par le fisc, 107 000 francs multiplié par 0,20, moins 4 204 multiplié par 3, on retrouve ici simplement le nombre de parts, et ici le revenu imposable. On arrive à un total d'impôt brut de 8 788 francs. L'imputation de la réduction d'impôt se fait à ce niveau, donc on arrive à 9 000 francs, plus 1 500 francs, mais 9 000 francs c'est simplement 1 183, la part des intérêts qui pouvaient être pris en considération pour la réduction d'impôt en ce qui touche à l'acquisition de l'habitation principale.
cette réduction d'impôt était majorée de 1 500 francs par enfant à faire. Donc ici, 2 fois 1 500 francs, soit 3 000 francs. Et dans la limite de 20% de ce montant. On arrive donc à une réduction supplémentaire de 2 400 francs. Voilà, vous venez de définir le montant de l'impôt brut par part, ou bien plutôt par part. Alors qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Alors pour obtenir l'impôt brut qui sera réellement dû par les contribuables, est-ce qu'on vient de multiplier le chiffre obtenu donc, en application du barème de la pension de revenus sur cette part du quotient familial par le nombre de parts auquel a droit sur le contribuable. Et on définira ainsi l'impôt brut dû par le contribuable. Mais pour déterminer l'impôt réellement dû, qui est le seul fiche qui intéressera en chaque contribuable, nous ne sommes pas à chaîne de paye puisqu'il convient encore d'apporter différentes modifications au fiche ainsi obtenu. En particulier, il conviendra d'insérer à ce moment-là des réductions d'impôt prévues par le Code général des impôts, et l'une nous tient tout à fait particulièrement à cœur puisque c'est la réduction d'impôt auquel ouvre droit la souscription de primes d'assurance. De même, ça sera à ce moment-là en réduction de l'impôt brut que nous venons de calculer, des réductions d'impôt qu'on voudra par exemple les investissements dans les départements ou territoires d'outre-mer. Naturellement, nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais le code verra les impôts qui avoir ainsi toute une série de réductions d'impôt. Deuxième mesure qui va venir minorer donc l'impôt réellement dû par rapport à l'impôt brut, c'est l'implication de l'avoir fiscal. C'est une disposition qui intéresse de plus en plus de Français, vu le succès donc, de la multiplication des actionnaires, donc à ce moment-là, viendra s'insérer cet avoir fiscal. Et dernière mesure spécifique à l'année 1986, le législateur qui a entendu faire bénéficier l'ensemble des Français d'une baisse de l'impôt sur le revenu, a prévu une minoration donc, de l'impôt dû de 11, 6 ou 3% ou encore dégressif pour les revenus du TSG, qui viendra donc diminuer l'impôt brut dû pour arriver enfin à l'impôt réellement dû par les contribuables. On arrive donc ici au troisième point, c'est la minoration qui a été prévue par le législateur pour diminuer donc l'impôt sur le revenu au cours de 1986. Le législateur a prévu des minorations d'impôt selon l'importance du revenu de 11, 6 ou encore 3% ou dégressif pour les revenus les plus importants. Donc on voit que c'était ici le revenu, l'impôt brut calculé tout à l'heure, 1780 francs, dont on retire la réduction d'impôt constitutive à l'acquisition de l'habitation principale, 2400 francs, et on multiplie par 11%. C'est la minoration d'impôt donc auquel on a le droit de contribuer pour l'année 86, soit 730 francs. Enfin, ce contribuable a perçu des revenus mobilisés qui sont imposés de manière exceptionnelle avec un supplément de 1%. Donc on calcule 1% sur 3 000 francs, soit 30 francs. Et il convient, ça vient donc en supplément d'imposition. Inversement, l'avoir fiscal qui était contenu dans les 3 000 francs de revenus mobilisés vient de s'imputer pour diminuer l'impôt dû par ce contribuable. On arrive donc à un impôt total réellement dû, s'élevant à 8 790 francs, donc l'impôt brut calculé tout à l'heure, moins 2 400 francs qui sont la prise en compte des intérêts versés au titre de l'acquisition de l'habitation principale à partir de 1983, moins 703 francs qui sont simplement le vœu de la minoration de l'impôt sur le revenu pour l'année 86, plus 30 francs c'est le dû en revenu mobilisé, c'est une taxation de 1% sur le revenu immobilier, moins 1 000 francs, qui est simplement, donc je vous rappelle, le vœu de l'avoir fiscal. On arrive donc simplement à un impôt qui sera réellement dû par ce contribuable, s'élevant à 4 715 francs. On peut dire que dans votre exemple, nous avons affaire à un client qui a oublié de souscrire son contrat de chirurgie. On peut naturellement donc ajouter à la de minorer encore à hauteur donc de 1000, dans la limite de 1000 francs plus de chirurgie, l'impôt qu'il aurait pu inverser. Dans ce cas, 1500 francs. Donc en plus, mais si ce n'est pas une disposition purement fiscale, de rajouter la contribution exceptionnelle pour le financement de la sécurité sociale qui s'élèvera à 0,4% du revenu de ce contribuable. Si on parle d'une convention de sécurité sociale, j'espère que ce support restera à ce niveau. Alors, merci M. Bollion pour ces explications. Nous aurons l'occasion, comme vous l'avez annoncé, de nous retrouver très prochainement pour envisager le traitement beaucoup plus spécifique des revenus fonciers. Et peut-être aussi des revenus mobiliers.
chose. Toujours chez le monsieur. Depuis 15 ans. Oh, heureusement que maman vous a. Madame la veuve, vous commencez à rentrer trop tard. Vous savez, quand on a l'habitude, vous rentrez plus fort. Faites le soir à Laurent de vous rencontrer parce qu'il est temps qu'il pense à l'avenir de sa famille. Mais c'est important. Comment vont les enfants? Très bien, je vous remercie. Comme vous pensez à notre affaire, Laurent voudrait souscrire un contrat tous les 8 ans. Maman, est-ce que je peux passer à moi? Moi, je parle trop. Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire et complète de travail.
celle-ci m'intéresse. Elle est prudente comme la tétoule. On peut regarder quelque chose. Je vous remercie, mais je vais réduire le contrat. Qu'est-ce que vous voulez? Nous montrons dans ces actions dans nos oreilles. J'ai préparé le péritif. Je vous le dis, elle a toujours du niveau. Le gros de la fin.
cette fiscalité, particulière de nos contrats, et la projection de l'année aussi, on sait qu'ils ont réalisé deux comptes de classe 4 en contre-traite. Classe 4, ça c'est technique, ça c'est très spécial. Oui. Surposons de points pour situer en trimanuel. Surposons une trimanuel d'environ 44 marchands annuels. 44 000. Autrement dit, si je me résume bien votre histoire, il y a un client pour lequel on a des difficultés à encaisser les champs de prime au trimestre, ça 4 000 francs l'année. Exactement. Vous avez là des citoyens. Oui. Alors, l'espace de 1 mois et quelques, il y a 1 500 000 francs de frais par citoyen. Et à côté, une prime périodique à long terme pour la retraite de 44 000 francs l'année. Effectivement. Effectivement. Si nous n'avions pas eu ces citoyens de championnat, il est bien évident que nous perdions le client. Bien, dans ce domaine des citoyens des championnats de placement, est-ce que techniquement cela a été difficile pour vous? Est-ce que cela vous a apporté un plus? Est-ce que vous sentez mieux depuis que vous avez augmenté? Ou expliquez-moi un peu comment ça s'est passé. Oui, eh bien effectivement, nous avons effectué un stage qui personnellement m'a beaucoup apporté, parce qu'il me semblait toujours que j'avais quelque chose qui me manquait. Et par rapport aux gens de la banque, vous voyez. Et aujourd'hui, je me sens techniquement plus chaud, mais c'est bien pour nos affaires. Et ça me permet de discuter plus facilement avec le client. Comment dire, c'est un atout supplémentaire. C'est un atout supplémentaire, effectivement. Et maintenant, vous balayez complètement la gamme des entreprises. Oui, les citoyens, bon, je ne dis pas que les citoyens de... On va vendre exclusivement des citoyens, mais ça nous permet de si vous voulez, d'intéresser le client et de pouvoir lui proposer nos autres produits traditionnels, pour lesquels nous avons été formés d'ailleurs de pas. Là, monsieur Lehmann, c'est tout à fait ça. Effectivement, les citoyens vont permettre au réseau BS d'avoir des produits qui commencent tout en T0 pour aller jusqu'à la retraite. Autrement dit, nous allons avoir maintenant une approche de plus en plus patrimoniale et je souhaite au réseau BS le même succès avec ces produits que le succès qu'a obtenu M. Lehmann. Bonsoir. Téléphone 47 07 29